Et c'est parti pour la première demi-finale avec un match qui va opposer U-Vega face à Autochon. Autochon qu'on appelle aussi le champion, un vainqueur de la première édition du Togeki en 2003 à Super Street Fighter 2X. Il était dans la même team que Umehara, il me semble, même à l'époque. Autochon qui va jouer Chun-Li, de toute façon il n'a qu'un perso, face à U-Vega qui a choisi de retourner sur DJ. On va voir si ça va lui réussir. Ça apparaît un bon choix de perso hein, quand même face à Chun-Li. Mais il faut bien tenir son DJ et bien contrer quand il faut. Et on va voir à ce petit jeu là Autochon pour réussir à trouver les ouvertures. Voilà comme là le petit décalage chop hein, qui passe. Il est vraiment très fort. La furie dans la garde pour gratter. Ah c'est quoi ça, ce coupe-gorge qui passe dans le vent. Allez, bas médium, bien joué. La super au travers du Kikoken. La lecture du jeu parfaite. Cross-up, voilà, balai punch, balai kick. Et machine gun qui permet à U-Vega de remporter le premier round de cette demi-finale. Allez, c'est parti. Autochon qui doit rattraper donc un round de retard. Ça se fait, hein. Il a pris la super, c'est surtout ce qui a coûté le round au travers de son Kikoken après les deux bas médiums. C'était relativement lisible. Bon, peut-être un tout petit peu de chance pour U-Vega, mais c'est vrai que ce genre de deux phases arrive la plupart du temps et des adversaires se regardent. Le bas médium qui contre, entière, qui ramène DJ dans le coin, bas médium, décalage chop, bas médium, évidemment, on fait le mix-up à chaque fois. Bien joué, la furie qui passe, il prend l'intégralité dans le coin en juggle. Attention à la super qui passe dans la garde, un petit flash pour repousser son adversaire. U-Vega qui a pris quand même pas mal de dégâts, il prend son medium kick, il n'a plus beaucoup d'énergie. U-Vega il a un grattage d'en terminer. Voilà, Kikoken, et c'est terminé. Autochon remporte donc le deuxième round de ce premier set. Allez, pour la victoire du premier set, saut vertical, gros pied, ouverture de la marque pour U-Vega. Le entier qui passe dans le vent, cross-up, machine gun dans la garde. Là, il y avait possibilité de punir là avec un bas gros pied plutôt qu'un Kikoken. Là. Attention à la glissade, ça passe dans la garde. Petit avantage pris par U-Vega. Il trouve pas l'ouverture. Si ça y est, la balayette, le cross-up. Ah, il prend pas médium sur lui. Cross-up alors qu'avec des balayettes, je suis persuadé qu'il fait très mal là, U-Vega sur ce cross-up là. Ah oui, évidemment, la super qui passe. Et on a le droit à un hit de juggle avec l'entier. Derrière la super, ça fait quoi, 7 hits combo ça. C'est assez monstrueux. Évidemment, Autochon qui est tout de suite revenu dans la partie là en plaçant au travers de ce flash avec sa super. Il a plus que maintenant à timer, à éviter de se faire gratter au flash avec quelques Kikoken. Il a même rechargé sa barre de super. Ça peut se terminer encore sur un grattage. Attention, U-Vega qui va être obligé d'attaquer. Voilà, il se prend la super évidemment. Et là, c'est terminé. Il a pris qu'un hit. Mais bon, ça changera pas grand chose. Voilà, double touche entre ce gros pied de Chun-Li. À une seconde de la fin. Enfin, une seconde de X-Yen, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est une seconde modulo le Turbo 3 activé sur le jeu. Voilà, alors Autochon qui se reconcentre. Bon, de toute façon, il a remporté le premier set. Et U-Vega qui choisit de prendre Dictateur. Voilà, allez, il change. Fini DJ. On tourne à Dictateur. Attention, ça va être presque qui s'échoue hein, sur le Kikoken. Bas médium. Mickey attaque qui fait 2 hits. Kikoken, attention à pas se prendre trop de head press. Les H-Kick qui passent dans la garde. H-Kick dans le vent. Ce vertical light punch immédiatement contré par Reversal Shop. Bien joué le Devil Reverse dans l'entière. Le cross-up. Le cross-up contré immédiatement par Reversal Fury. Elle prend medium kick. Le double knee press. L'entière qui ne fonctionne pas. Il a raté son compte, U-Vega. Le knee press qui passe. Et bien joué l'instant over. Sur arrière medium kick qui permet à U-Vega de reprendre le premier round comme lors du premier set. Allez, saut, light punch, décalage, bas médium, décalage chop, le pressing, bas médium, le décalage chop immédiatement vu. Allez, light kick, light punch, on presse, saut medium kick, saut arrière medium. Attention à ces sauts medium avec dictateurs qui sont très forts, qui permettent de faire 3 hits de juggle et d'envoyer la furie. Dictateur qui n'a pas encore chargé sa barre de super, il prend la chop, bas médium, balayette, saut moyen, le Kikoken qui arrête le knee press. Attention à ce cross-up medium kick, il s'est bien protégé, par contre il prend quand même la balayette dans la tentative de fuite. Medium, décalage chop, la super qui passe, attention à la relevée, c'est bien joué le pressing, et voilà, décalage chop. Et Autochon qui remporte donc ce deuxième round, même configuration que lors du premier set. Et le dernier coup c'est Autochon qui l'a remporté, alors faut faire attention. La chop à la redescente de U-Vega, relâche chop, c'est déchopé à chaque fois. Voilà, il prend ce medium et encore un deuxième. Il fait 3 hits combo sur le petit juggle. Attention ce Yakukiak, le Psycho Crusher qui passe dans le vent. Yakukiak pour pas charger la barre de super. Le saut medium punch qui passe pas. Il presse dans le vent. Ce medium punch qui fait cross-up, là c'était pas très très bon. Là c'est ce qu'il nous a fait là, U-Vega. Il a un peu raté son adversaire. Il saute un peu sans spécialement viser Autochon. Voilà, qui évite bien le Devil Reverse là.
se remet à distance, qui est encore en avance à l'énergie, qui préfère fuir, provoquer l'erreur de son adversaire à son médium kick entière. Voilà, le pressing va médium, décalage chop, c'est magnifique. Auto-chun qui peut faire ce qu'il veut après ce diagonal avant gros pied. Hein. Il a bas médium kick, bas médium kick, bas médium kick balayette, bas médium kick décalage chop, bas médium kick kikoken, bas médium kick ultra, bas médium kick. T'as tellement de choses possibles. 2-7 à 0 donc pour Auto-chun. Et Yuvega choisit de reprendre DJ. Il prend ce médium, le reversal chop qui le l'évite hein, de prendre la grosse phase. Mais il a quand même perdu pas mal d'énergie sur une nouvelle chop à Yuvega. Il prend la balayette. Attention, bas médium kick, yakoukiak. Kikoken, ça charge la barre de super. La barre d'Auto-chun est chargée pour le moment. Plus que la barre de Yuvega, ça y est, c'est bon. La barre de Yuvega est chargée. Alors maintenant, il faut aller à l'attaque. Là. Il faut se retrouver à bonne distance, soit pour placer la Fury, parce qu'il a plus beaucoup d'énergie. C'est la meilleure chose qui peut lui sauver. Mais voilà, Auto-chun très attentif, voilà, qui ne fait pas l'erreur d'envoyer le Kikoken. Et immédiatement, la Fury qui passe donc dans la garde d'Auto-chun. Et Auto-chun qui n'a plus qu'à contrer avec la super. Bien évidemment, hein, on sentait de toute façon que Yuvega avait l'intention de placer la Fury. Ah, c'est dommage, là on retombe sur le flash. Le Springbird qui a permis d'éviter, suivi de l'anti-air. La chope qui vient choper à la redescente du coupe-gorge encore dans le vent. Medium punch, balayette, pas medium, balayette. Attention à ça, hein. Yuvega qui prend quand même énormément de phases de pressing dans le coin. Il faut dire qu'Auto-chun ne laisse pas respirer son adversaire une seule seconde lorsque qui le tient. Et saut vertical, gros pied, le cross-up qui était une phase, ça fait même pas cross-up, medium kick qui fait entière, fait double touche, la Fury dans la garde pour gratter, on reprend de la distance, on va spammer du kick-oken, le flash pour avancer. Alors évidemment ce petit jeu là DJ est plus fort, voilà, parce que là sa glissade le permet d'avancer tout en chargeant arrière, donc on peut permettre d'envoyer l'adversaire dans le coin. Mais là sur arrière medium kick a raison de Yuvega, Auto-chun victorieux, le champion est donc qualifié pour la finale. Mais Yuvega jouera tout de même la petite finale face au perdant de la seconde demi-finale. Voilà, Auto-chun en finale donc de ce X-Mania Gaiden.